Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue le jeu Carto, live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ok. Alors, ah, tu manques la vie. La meilleure roi que j'ai jamais mangé. Nous pourrons bientôt reprendre la visite, il faut juste que je digère un peu. Je te rejoins au niveau de la chambre.
Pourou, pourou, pap. Poup, pap. Pourou, pourou, pap. Chef, tu me regardes d'un air. Y'a rien de rassurant. You, une petite seconde. Ne pensais pas que tu arrivais avant moi. Je m'en voudrais si tu te perdais. Dans notre grand gîte. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans les appartements. Nous t'avons donné la suite royale qui se situe juste au-dessus de la source chaude. Mondialement connue, tous les deux. Les frères Andy et Hanu t'y attendent. D'accord, pas de soucis. Je ne savais pas trop comment tu es arrivé ici, mais nous sommes heureux de te recevoir. Tu dois être épuisé après avoir exploré le gîte de long en large. C'est sûr, tu te reposes un moment dans notre lit d'ardoise. C'est un mode de couchage innovant et très rigolo. Je n'ai jamais vu une expression aussi enthousiaste. Vas-y, allonge-toi et détends-toi. Laisse faire les choses. Le lit. Ah, est-ce que tu ressens les effets? Les rushs stimulent tes points de pression, évacuent la tension et te transfèrent leur énergie. Bien éveille la lave brûlante qui repose en toi. Laisse-la traverser tes membres, chauffe ton âme et masse. Il n'existe rien de mieux. Aime-toi. Il est vrai que c'est un peu trop intense pour certains clients, mais l'énergie du volcan t'anime désormais. C'est le moment de profiter de la source chaude à l'étage, au-dessous. Tu vois rempli de brochures. Visite du pic au bic. Le plus petit rocher jamais vu. La lave, le brûlant. Responsabilité légale du gîte. Ouais, mais conservation ou délectation. Mangez. Bonjour monsieur. Excuse, mais notre source chaude n'est actuellement ni chaud ni source. C'est juste un grand trou froid pour l'instant. Siège confortable avec un coussin de... incroyable réellement. Elle est tracée au sol en forme de chèvre. Moi qui aime les chèvres. Ah. 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 Ah.
Peut-être pas à t'allonger, j'ai compris. Ah, shit. Voici notre calendrier volcanique. La prévision du jour, chute de cendres avec des risques de scories. Une belle journée en perspective. Ne passe pas trop pas à côté de la source chaude. C'est ma partie préférée du gîte. Venir en la visite une fois que tu es bien réchauffé. Symbole ancien taillé dans la roche. Il y a une feuille là. Si vous avez eu cet avertissement trop tard, nous devrions remplacer des panneaux ailleurs. Ah, parce qu'il n'est pas à bonne place. Enfin. Coincé quelque chose. Bon! Il n'y a plus qu'à faire en sorte que l'eau se répande dans toutes les sources chaudes. Hop! 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 Il n'a pas dû bouger comme c'était à l'heure. Je vais replacer ça. Thank you.
Ne passe pas à côté de la source chaude. Allez, toi. Est ressourcé, mais la chaleur n'a pas encore chauffé. Ça serait peut-être ce qui ne va pas. Je vais aller demander à pousser dans la grande halle, je suis pas assez habillé. Je peux monter pas. Alors, que penses-tu de la source chaude? On comprend tout de suite pourquoi elle connaît un tel succès. L'heure du repas suivant, j'ai bien envie d'un beurre. Je vais aller voir, merde. C'est où le grand hall, comment ça? J'ai envie de te revoir. On m'a dit que l'eau de source chaude n'est pas très accueillante actuellement. Désolé, le chauffe-eau doit être endommagé. Cela me gêne de demander ça à un client, mais peux-tu aller jeter un coup d'œil sans avoir un dent pour arranger les choses? Considère cela comme un accès VIP. Je vais te demander à Uri de te montrer tu rejoins les sèves. Oh, le chauffe-eau. Le chauffe-eau est au centre du volcan, uniquement accessible à d'autres chèvres. Cette clé orange le fera démarrer. Et là, lui dans la bousse et accroche-toi. Lui fait j'allais voir comme ça. La carotte dans la bouche. Facture impressionnante au cœur de la montagne. Une facture. Non. Ah, elle. Merci d'avoir accepté de nous rendre service. Nous risquons très certainement nos vies, mais nos confort n'a pas de prix. Réparons ce chauffe-eau. Prends-toi tout dans golem de feu, chèvre démoniaque, lave consciente. J'ai vu toutes sortes de choses. Enfin bref, descends et je te lirai les instructions ici. Viens sur la corde une fois que tu es en bas.
Bien, écoute. Attentivement. Pour commencer, dirige-toi vers le grand mur du fond. Si tu vois les deux leviers, actionne celui de gauche. Ensuite, celui de droite. Maintenant, tourne en rang. Le plaisant, mets-toi en position devant la roue du sommet. Bien, tu vas devoir le faire tourner. Commence, fais-la tourner deux fois vers la gauche. Trois fois vers la droite. Deux coups à gauche. Et un à droite. Je crois que je lisais les mauvaises instructions. Il semblerait que nous avons réinitialisé le système. Il ferait mieux de remonter très vite. Sers-toi de tout ce qui tu es à ta disposition. Sers-toi de la corde. Non, la corde n'est pas là, Carlis. Ah, c'est chaud. En éruption. Nous devons nous dépêcher de partir le plus loin possible. Oh. Oh là là, là va faire un bien fou à mon corps froid, j'espère. J'espère que je survivrai pour récolter tous les oies fumées. Bye. Je faisais une sieste sur le lit d'ardoise. Pourquoi est-ce que tout le monde s'affole? Oh. Non, avons-nous lu les calendriers coloniques à l'envers? Ce n'est pas la 5e fois ou 10e fois. Mais... J'ai rarement vu une éruption aussi impressionnante. Ouf. Toute cette fumée. La surchauffe va être carrément chaude. Personne n'est mort cette fois. Passons à la prochaine étape. Chapitre 8. Rien de tel pour que ressourcer, j'adore. Et c'est la suite du chapitre 7. C'est relaxant, cette éruption m'a donné une idée de recette du triton troglodyte glié sous le lit. C'est relaxant. De roche brûlante, un lit de roche brûlante. Ça fait du bien, je préfère le lit d'ardoise personnellement, mais je peux panier l'attrait de cette belle source bouillante. Petite, est-ce que ton séjour t'a plu? Fantastique, n'oublie pas de dire à tes amis qu'il n'y a absolument aucun danger. Chère petite cliente, nous avons reçu une lettre à ton nom. Merci de bien vouloir la récupérer dans le grand hall, en partant. Là, j'étais au grand. Ah, ma chère, ok. Il m'apporte, lui. Oui, c'est ok. Ah, te voilà. La voilà. Et voilà la lettre. Ma chère Carto, as-tu vu l'éruption? Quel spectacle! J'ai failli ne pas m'en sortir, mais le volcan est déplacé. C'est déplacé au dernier moment. Quelle chance! Ou bien est-ce que tu maîtrises de mieux en mieux ta carte? Que tu es futé, j'espère que tu es sain et sauf.
Toi aussi. J'ai comme l'impression que personne ne sait lire cette satanée calendrier correctement. La fumée m'empêche de piloter correctement et mon moteur n'est pas loin de la surchauffe. Il existe un iceberg au bout du monde. Je vais m'y arrêter pour réfléchir un peu tout ça et attendre que le ciel se dégage. On s'y retrouve si possible. Bisous, mémé. Ah, bonne nouvelle, j'espère. Nous avons aussi une bonne nouvelle. Éruption semble avoir délogé le rosé qui bloquait l'entrée. Je suis sûr que les clients vont affluer sous peu. J'espère de revoir bientôt, jeune fille, part de notre établissement, tes amis. L'appareil qui permet de diffuser des messages à tout le volcan. As-tu quitté le volcan? Au revoir! Mais je peux toujours revenir au volcan. Une forêt explorée. Oh, Carto, salut! Je suis content de voir, j'aurais besoin de ton aide. Hein? Disons que j'ai mal du pays. Je voulais me réconforter en lisant quelques livres pour en savoir plus sur mon île, voire trouver un moyen de rentrer. Mais je trouve aucun ouvrage qui en parle. Le conservateur a dit qu'il m'aiderait, mais il a dû oublier. Je n'ai rien oublié, petit effronté. J'étais occupé à ranger le sous-sol. Certaines personnes ont mis un sacré bazar en consultant la collection. Ce qu'elle n'a pas fait exprès. Elle était juste très motivée et indélicate. Bon, les filles, vous savez, mettez de l'ordre dans le sous-sol, ça me lasserait de temps en temps de vous aider. Je vais voir ce que je peux trouver dans mon dossier, bien sûr, on s'en occupe. Enfin, si ça te dérange pas, Carto, tu es si doué pour organiser les choses. Hurrah! En s'y a-t-elle, montrez-nous ce qu'il faut faire. Vous savez tout ça, rassembler étrangement au livre que je suis en train de lire. Ah, peu importe, suivez-moi. Je range la porte des livres, mais les caisses ne sont pas à leur place. Il faut les mettre sur le tapis de droite. Attention de ne pas les emplir correctement. Les remplis correctement de la plus grosse à la plus petite pour... Pardon, je vais essayer de trouver ton livre de navigation. Je serai à l'accueil, venez me voir quand vous... sont souvent surpris par l'attitude intensive positive. Ils disent qu'ils ne craignent pas la mort, ce qui leur permet de prendre temps et de vivre plus et fort. Les recherches ont démontré que la vie sur le volcan entraîne un niveau de souffle très important dans le sang. Le souffle monte jusqu'au cerveau et endommage la zone du lobe frontal qui régule la peur. Peut-être est-ce qu'elle a une preuve, au moins on sait mieux. C'est ça, donne une boîte là. J'ai fini, voyons voir. C'est pas très soigné tout ça. Toutes les caisses de livres doivent être remplacées, placées sur le tapis de droite. Allez, courage. Ah, ok, je comprends.
Bon travail. Je vous attends juste un peu compliqué, merci d'avance. Oh, je peux placer. Ah, ben là, je comprends. Je peux le mettre là aussi. Je chôme pas, ouais, un peu. Et non, je n'ai plus qu'une. Et j'ai presque fini de chercher dans ton livre de navigation. Oh, je ne peux même pas atteindre le haut, comment on va s'y prendre? Comment on fait pour déplacer toutes ces boîtes? Ça paraît impossible. Ah, c'est facile, c'est niaiseux. Pour changer la pile, change le carré. Merci pour les euros, chers amis. J'en rêvais pas, je pensais que ça vous prendrait 2 jours. Je vois ça plus. Voyons. Alors, je vais voir ça mes propres yeux. La petite cartographie revient au balcon légèrement roussi. Il lui fallait rejoindre sa grand-mère sur un iceberg qu'elle ne savait pas où trouver. Sa grande amie avait cependant d'abord besoin d'aide. Joli travail. C'est bien rangé, vous êtes un vrai cadeau du ciel. Et j'ai trouvé le livre de navigation de ton ami cherché. Il se trouve dans la salle des îles. De quoi qu'elle est liée déjà. Le livre a tellement d'informations sur la culture de mon île. Nos traditions ne lui sont pas uniques.
Je n'aurais jamais pensé qu'on les partageait avec d'autres. Bon. Faut trouver les renseignements sur la route de... Après sa meilleure amie, la petite cartographe partit au chalet compteur, les pensées de la fille aux cheveux bleus partirent à la dérive. Mais elle s'imagina les habitants de son île en train de pêcher et de rire, une envie de les revoir. Bien décidée de rentrer chez elle, elle prit la mer. Hélas, au brouillard épais, lui barra rapidement la route et pour ne rien ronger, sa boussole cessa de fonctionner. Leur tentative, elle se résigna à retourner au chalet compteur. Mais elle n'était pas du genre à la baisser les bras. Facilement, la fille aux cheveux bleus décida qu'elle irait. Lirait tous les livres du chalet si nécessaire. Est-ce qu'elle trouve un moyen de regagner son île? Elle descendit les escaliers et se mit à partir, parcourir les ouvrages. Le ver passant sur la vie de la terre, il s'en espère de la matière. On dit qu'un ver qui renifle un peu la terre peut ensuite retrouver l'origine. Cependant, savoir que le ver ne sont pas tous égaux et que certains s'avèrent plus précis que d'autres. Nombreux sont ceux qui vendent ver ambitieux mais incompétents à envoyer à leur perte. Néanmoins, un verre bien choisi peut être exactement ce que vous avez besoin pour vous pointer dans la bonne direction. Regarde ça, il est possible de naviguer en utilisant la terre provenant de la destination. Heureusement, on en a pris avant de partir. Il manque un verre pour la renifler. Tu as un verre sur toi depuis tout ce temps. Non, mais va aussi. On a tout ce qu'il faut, en route. Parce que je suis censé rentrer à la maison, mais j'ai besoin de revoir tout le monde, même loin. Au carton, je suis vraiment désolé. J'étais tellement absorbé par ces préoccupations que je n'ai pas pensé à toi. As-tu découvert quelque chose sur ta grand-mère? Comment était le volcan? Une lettre de ta grand-mère, je peux la lire. Résonant de savoir qu'elle va bien. Elle veut te retrouver sur l'iceberg. Amy parlait souvent d'un endroit de ce genre près du bout du monde. Je ne sais pas comment on m'y rend, mais peut-être qu'ils le sauraient, eux. On va sur l'île autant en profiter pour vérifier. Je poserai des questions et fouiller un peu. Alors, Carto, je veux bien retourner sur mon île avec moi. Super, retournons en bateau. J'ai beaucoup lu pendant ton absence, c'était super. Mais rien ne vaut la tumulte des vagues et d'une bonne bouffée. Je suis content de reprendre la mer. Il existe une raison pour laquelle des membres d'une certaine tribu ne regardent jamais leur foyer après leur départ d'une fois adulte. Il fut un temps où certains tentent de revenir chez eux, se voyaient fourvoyés par l'océan ou quelques caprices météorologiques. La famille n'apprenait jamais ce qui leur est arrivé ou pensaient qu'ils ne désiraient pas leur rendre visite. Cette nouvelle tradition permet de mieux réparer les parents à l'idée de ne jamais revoir leur enfant. Cela n'a jamais été facile, mais ils savent alors à quoi s'attendre. Bien que déchirant, cette tradition est nécessaire. Je reconnais ce regard, vous partez à l'aventure. N'oubliez pas de venir me voir si vous repassez le secteur. Il est toujours l'heure de conter une nouvelle histoire. Les cartographes et son ami se préparèrent à reprendre le large. Elles comptaient retourner sur l'île où tout avait commencé avec l'aide d'un petit compagnon rampant. Quelque part au loin, l'iceberg de la grand-mère attendait. Prends la terre, je prends la barre. Et garde ton verre à l'œil. Yana et Carto de retour sur l'océan. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la mer? Assure de la carte soit très utile cette fois.
Il réfléchit au printemps. Bonjour capitaine, au sud-est. Ça devient brumeux. C'est ton verdi. Il faut le suivre. À moi qui dit va dans le nord. Allez, vers le nord. Oh! On y est, c'est bien notre, mon île. Qui est là? J'ai l'impression de vous reconnaître. On est des sirènes, monsieur. Vous ne nous avez jamais vus? Oh oui, c'est logique. Mes excuses. Ouf, on a échappé belle. Bon, on n'a plus qu'à franchir le récif. Question? Ah, je vais réfléchir. Vas-y. C'est H. Campé. Bonjour toutes. Bonjour capitaine. On est dans le lac, ça devient ridicule. J'espère que la carte soit traitée cette fois. Point d'interrogation. Le truc avec un crochet. Ça me paraît douteux, mais je vais y tenter. Pourquoi on devrait prêter attention? Ah bah c'est top, on tourne le sens des aiguilles d'une montre. On se cache, on tente un coup. Toutes les options comme ça. Je sais pas comment ça marchait, mais on est arrivé. Au travail, te voilà de retour, j'ai du mal à croire. Prends une sacrée équipe avec toi, mon petit ami frétillant carteau et le verre de sortie. Carteau et tortillant. On se prend en nous pour trouver les indices qui mènent à l'Asberg. On se retrouve ici quand on en saura plus. Je vais me faire discrète. Que je n'étais pas censé revenir. Je sais que ce n'est rien plus d'une tradition, mais elle compte beaucoup. A tout à l'heure, Kato! Ah ouais, petite, tu es de retour chez Anna et elle. Bien sûr que non, mon chéri, tu connais la tradition. Ah oui, bien sûr. Eh bien, pourrais-tu lui faire un câlin aussi gros qu'un ours? Papa, elle nous manque beaucoup. Es-tu revenu pour le festival de la pêche? Il n'a lieu que quelques fois par mois et nous organiser un concours. Je veux bien te prêter une canne à pêche et un flotteur si tu veux y essayer. Bonjour, merci d'avoir accompagné Shiana, c'était si gentil de ta part. J'espère qu'elle se porte bien et qu'elle sait qu'on l'aime, mais dis-moi, nous pensons constamment à elle.
Avez-vous pas crevé tout l'archipel? Elle était faite pour l'aventure, je le savais depuis sa naissance. Elle avait juste besoin de sortir de sentiers battus. Je pourrais le faire, y a-t-il des maisons qui manquent? Cette bécasse ne veut pas se tenir tranquille. Je suis montré mon bâton. Ouais, petite, j'espère que ton voyage se passe bien. Tu arrives une fois de plus à la point nommé. Le festival de la pêche va bientôt commencer. J'appelle ça un pêche-tival, mais ne répète pas ça à ma femme. Bref, le pêche-tival aura lieu non loin au lac du Gros Poisson. Il y aura un concours de pêche ouvert à tous. Je n'ai pas le droit de participer comme je suis pêcheur de métier. Et du coup, je joue le rôle d'animateur, ce qui est un véritable honneur. Bonjour petit, heureusement heureux de te voir. Je me demandais justement si les visiteurs viendraient se joindre au concours ce mois-ci. Ma petite princesse grandit si vite. Je n'ai aucun doute qu'elle ramènerait très vite plein de poissons comme son père. Attention à mon fils, il est si bien chassé. Oh, bonjour. J'espère que ton voyage se passe bien. As-tu croisé le chemin de notre fils par hasard? Non. Non, c'est effectivement plus probable. De plus, il nous avait dit qu'il portait pour le bout du monde. C'était il y a plusieurs années. J'espère qu'il a emporté les habits chauds. Oh, est-ce que tu aimes le climat froid? Il paraît que ça forge le caractère. Je pense qu'il aimerait s'y rendre mon cœur. Je reconnais l'étincelle dans ses yeux. Notre fils avait les mains sur le regard de l'aventure. Une bonne carte océanographique devrait être menée. Il se trouve que j'ai fait tant de la mienne, elle doit servir de prix lors du festival de pêche. Tout ce que tu vas faire, c'est trouver les poissons perdus et les ramener au bon port dans ton filet. Quelque chose me dit que tu seras très doué. Bonne chance pour le festival, j'espère que tu gagneras la carte. J'ai tellement hâte d'y être. Attention, ok. Mon amour achillien là, pêche avec nous. Ah, hey, ça vient de mon père. Manque tous, mais je suis content d'avoir au moins pu les voir de loin. Alors, pour ta grand-mère, on doit atteindre l'iceberg. Pour l'iceberg, il nous faut une carte de l'océan. Pour retrouver l'océan, il faut gagner le concours de pêche. C'est juste compris notre plan est d'établir portant à la pêche. Le festival a lieu au lac de Gros Poisson, ce n'est pas loin. C'est notre plus grand lac. Tu peux sûrement deviner quelle forme il a. J'aime éviter que quelqu'un me reconnaisse. Oh, j'ai une idée, je reviens tout de suite.
Et le carton, je ne fais rien là. Je ne cadrerai jamais ici. Direction le lac du gros poisson, c'est celui qui porte bien son nom, pas loin d'ici. On peut faire un lac qui ressemble à un poisson. Est-ce qu'il y a le lac là? Ah! Oh, ça peut être un poisson, ça! Tout le monde est à sa place! J'ai plaisir d'accueillir deux étrangers pour ce concours. Attends, bonne chance à Rihanna et son ami. Une fois cette première expérience passée, rien ne pourra vous empêcher de pêcher. Et pas de panique, les prix sont sur les lieux sûrs. Ah. Les règles n'ont pas changé, la première personne à attraper tous les types de poissons l'emporte. C'est parti! Mon père nous a prêté deux cannes à pêche, voilà la tienne. Il ne m'a même pas reconnu en me le donnant. Mais toujours comme ça, l'accent. Même avec la pression du concours, c'est agréable de ralentir par moment. Je me rappelle quand mon père m'a appris à pêcher. Il n'attrapait rien, donc je remettais à l'eau tous les poissons que je prenais avant qu'il les voie. Je ne voulais pas le vexer. On se renfile n'importe où, ceci est l'accent. On fait n'importe où. Ah, il y a des autres bords. Ça, c'est des vagues, ça. Pas tout le monde. Soit le meilleur pêcheur du monde, soit pire. Personne ne veut me le dire. Bon, il y a quelqu'un qui devrait savoir. Ouais, nos prix sont juste là. Une carte océanographique et une leçon de cuisinage avec Kellen. Marie dit que je pêche un peu. Jamais gagné si tu veux, David.
Personnellement, je pense qu'il s'agit de bien de l'apprécier là, visuellement. Vu le livre sans poisson, je pense là. Bonjour, croisant une quintuple championne de secret dans le choix du bar. Le bon réflexe aussi, bien sûr, ramène point de prise dès que le flotteur remue. Salut, j'adore les poissons frais. Tu me crois, ma petite ne risque pas d'être difficile en grand. Tant j'ai l'habitude à manger tout. Les yeux, le collier, le foie. C'est des bonnes choses pour une fille en plein coin. Bon goût de la mer. Il y a 4 têtes de poissons dans le bac. Dessiné. Ah, d'accord. Et attention, ne demande à personne. On va me le rendre après. Petit poisson, je me rappelle quand je prenais la pêche à Shianan. La pauvre, elle n'y arrivait pas du tout. Non, Satan, ramène, c'est pour ton sein. Je crois pas qu'elle ait réussi à attraper un seul poisson, mais elle ne décourageait pas pour. Enfin, elle les cachait pour qu'il les voit. On s'en fait n'importe où, c'est si relaxant, ben je le fais. Un homme a parlé, je pense. Rien. Thank you.
Donc, c'était tout pour le jeu pour l'instant. Je vais prendre une mini-pause et je reviens. C'est pour le jeu Carto Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh, yeah!